Et là, c'est Ghost Sauvage, ma vidéo, je voulais vous montrer comment gagner des FPS sur Minecraft facilement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il vous faudra déjà de 1 Minecraft, et de 2, il vous faudra tout simplement télécharger un mod. Il faudra télécharger Optifine, étant donné que c'est l'un des seuls mods qui vous permet de gagner des FPS. Alors, une fois que vous avez installé Optifine, que vous allez lancer votre Minecraft, vous allez aller appuyer sur Échappe, Options, et là, on va venir modifier plein de trucs. Et toutes les choses qu'on va venir modifier, ça sera dans paramètres graphiques et dans pack de ressources. Pack de ressources, j'y reviens dans 2 secondes, c'est très important. Le premier truc que vous allez faire du coup, c'est cliquer sur paramètres graphiques. Et là, on va venir modifier pas mal de choses. Graphisme, vous allez mettre en rapide. Éclairage adouci, non. Ombre adouci, non. Taille de l'interface, bon ça c'est vos préférences. Luminosité, ça dépend de vos préférences. Lumière dynamique, non. Après ça, dans distance de rendu, vous baissez la distance de rendu et la distance de simulation. En fait, ça va vous permettre de générer moins de textures, moins de chunks, ce qui va vous permettre de gagner des FPS. Par exemple là, si on regarde sur le côté, on voit que le monde s'arrête, parce que j'ai 6 chunks. Si j'augmente ça, je mets genre 13-12, on voit que il y a plus de textures, etc. Du coup, en baissant les chunks, vous avez moins de textures qui apparaissent, vous gagnez plus d'FPS. FPS maximum, bon ça c'est, ça dépendra de votre écran de 1, et de 2, bah, c'est un peu problématique. Parce que soit vous mettez en illimité, beaucoup de personnes vous dites, enfin vous disent que vous devez mettre en FPS maximum illimité pour éviter les chutes. Et beaucoup de personnes vous disent de tout simplement mettre au niveau de votre rafraîchissement d'image, de votre écran. Bon, personnellement, je vous conseille de mettre... en illimité si vous avez un bon PC, si vous avez un écran 120 fps, vous mettez 120 fps, voilà. Ombre des entités, non. Et voilà tout ce qu'on va changer pour l'instant. Ici. Après, on va aller dans détail, juste ici. Nuages, vous mettez non. Pas de nuages, ça rajoute des textures, nous on veut gagner des performances. Arbre, vous mettez rapide. Ciel, bon, non si vous voulez gagner des fps, mais si vous voulez avoir un ciel beau, vous mettez oui. Soleil et lune, vous mettez non si vous voulez gagner des FPS et oui si vous voulez quand même avoir un peu de beauté. Brouillard, non. Balancement de tête, ça dépend de vos préférences. Moi je vous conseille de mettre oui. Hauteur des nuages, on s'en fiche. C'est déjà. On a désactivé les nuages. Pluie, neige, rapide. Étoile, non. Cape visible, ça dépend si vous avez une cape ou si vous voulez voir les capes des gens. Moi j'ai une cape, je mets oui. Si vous voulez gagner des FPS, vous mettez non. Commencement du brouillard, on s'en fiche, on n'a pas mis le brouillard. Info bulle d'item, je conseille de mettre non. Couleur marécageuse, vous mettez non, vous allez gagner des FPS. Après ça, vous cliquez sur terminer, animation. Et là, ça va être très simple, vous allez cliquer sur tout à off, particules, réduite. Voire même minimal. C'est le seul truc qu'on va faire ici, ça va permettre de désactiver toutes les... désactiver. Ça va permettre d'enlever des particules. Et si, par exemple, pour un exemple super simple, sur Minecraft, de base, elle est animée. Les flammes aussi sont animées quand vous brûlez. De base, hop, je vais essayer de rentrer là-dedans. Ok, j'arrive pas à brûler, c'est bizarre. Avant sur Minecraft, quand vous faites un truc, vous avez des animations. Là, vous pouvez voir que j'ai pas d'animation. Alors, en mettant tout à off, vous allez désactiver les animations et les particules, ce qui vous fera gagner des FPS. Alors, du coup, vous mettez tout à off, terminé. Après ça, on va aller dans qualité. Alors, niveau de minimum, moi je laisse 1. Filtrage en anisotropique, je laisse 4. Immersive texture, non. Meilleur gazon. Rapide, police personnalisée, oui, ça dépendra de texture pack. Je vous conseille de mettre oui. Texture connectée, non. C'est personnalisé, oui. Entité aléatoire, oui. Meilleure neige, non. Couleur personnalisée, oui. Texture naturelle, oui. Thème personnalisé, oui. Custom JUIS, oui. Après ça, on va aller dans performance. Rendu des régions, vous mettez non.
animation intelligente. Moi je laisse oui, FPS atténué. Vous mettez oui, vous laissez sur oui, ça va vous permettre de stabiliser vos FPS. Rendu rapide, oui, mat rapide, oui, monte atténué, oui. Après dans autre, ça on s'en fiche. Après du coup, le dernier point, on va rapidement en parler parce que c'est très important, c'est le pack de texture. Je vous conseille de télécharger un pack de texture qu'on appelle Nolag. Alors c'est des packs de texture qui sont faits exprès pour baisser la qualité de Minecraft. Parce que de base, oui, Minecraft, le texture pack, c'est du, de mémoire, c'est du 16 à 32 blocs par 32 blocs. Par exemple, c'est cool. Ça veut dire qu'en fait, vous avez 32 pixels par 32 pixels, ou 16 pixels par 16 pixels. Par exemple, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. On a 16 pixels par 16 pixels pour un bloc. Et les packs de texture no lag, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer le nombre de pixels par bloc. Genre 8 par exemple, par 8. Ce qui vous permettra de gagner des FPS. Alors pour trouver les packs de texture no lag, vous allez sur YouTube, vous tapez packs de texture no lag, votre version du jeu. Et derrière, vous mettez pourquoi. Par exemple, si vous êtes un joueur PVP, vous marquez no lag. Pas de texture, no lag, PVP 1.8.2. Et hop, ça vous donnera des pas de texture en 1.8.2 no lag, spécialement fait pour le PVP. Si vous êtes un joueur skyblock, vous tapez pas de texture no lag, votre version, 1.9.4 par exemple. Et derrière, vous mettez skyblock. Après ça, vous avez juste besoin de mettre votre texture pack dans votre dossier de ressources pack, et puis ça sera bon, vous allez gagner en FPS. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour mettre un texture pack. Enfin, comment. Parce que c'est assez compliqué quand on ne connaît pas en fait. Alors pour ça, il faudra aller tout simplement sur votre bureau. Voilà, une fois que vous êtes sur votre bureau, vous faites Windows R. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme ça, d'exécutable. Vous tapez pourcentage, app, data, pourcentage. Ok. Pour Minecraft. Et là, vous allez chercher ressources pack. Ici, vous allez mettre vos ressources pack. Une fois que vos ressources pack, enfin, une fois que vous avez téléchargé votre ressource pack et vous l'avez mis dans ce dossier, vous repartez sur Minecraft. Hop, attendez. Vous repartez sur Minecraft, faites option, pack de texture, et hop là. Vous sélectionnez votre pack de texture. Voilà du coup les techniques pour éviter de lag sur Minecraft. Si des gens vous ont dit de télécharger d'autres modes qu'Optifine pour éviter les lags et tout, faites très attention parce que la plupart du temps ça marche pas, voire même en fait tout le temps. Vraiment le seul mode qui vous empêchera de perdre des FPS, c'est Optifine. Après ce que vous pouvez faire, c'est télécharger d'autres launchers. Par exemple le Nar client ou le Palion client. Souvent ils sont adaptés pour éviter que vous perdiez des FPS. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.